Précédemment dans Proculis. Alors, voilà quoi ressemble Proculis. C'est impressionnant. Ça me rappelle la Terre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dirais. Je veux. Je vais les mettre dans le labo, dans le vaisseau, en espérant ne pas croiser les parents. Ah, oh, mais c'est pas vrai! Le satellite relié au système de sécurité a détecté une chose pas loin. Elle aurait la capacité de se rendre invisible. Bien, il fait nuit. Allons prendre du repos et nous reprendrons le travail demain. Rush, il se passe quoi là? Vite, faut éveiller tout le monde à ta compagnie. Je vais ranger le matériel dehors. Très bien, faites vite. Vite, tous au cockpit, on décolle. Qu'est-ce qui se passe ici? On s'est attaqué, on doit décoller et vite. Où est Eilhart? Eilhart, répondez. Eilhart. On décolle, hein. On peut plus l'attendre. J'espère que le vaisseau est réparé au moins, parce que sinon... Y'a pas de sinon, on s'en va. La sortie de l'atmosphère, c'était la cata... Qu'est-ce que c'est que ça? Rukov, contactez-les. Quoi? C'est notre seule chance. Espérons qu'ils nous comprennent. Aucune réponse. Ils se rapprochent toujours. Bon allez, assez parlé, on dégage de là. Le tir de suicide. Je vois ça, j'essaie d'éviter leur tir. Passe en hyperespace. Je ne peux pas, je vous rappelle que le vaisseau est trop endommagé. Regardez là-bas, il y a une seconde flotte, ils attaquent les autres. On nous tire quand même dessus. Ça ne tirera pas. C'est marrant, je lui ai posé la même question.
crois que nous sommes dans un vaisseau. Qui êtes-vous ? Je peux comprendre que vous soyez confus, mais nous sommes comme vous. Quoi ? Il y a bien longtemps, nous étions confrontés à une guerre. Vu le surnombre de nos ennemis, nous avions de grandes chances de disparaître. Nous avons donc envoyé des humains sous forme primitive sur cette planète, que vous appelez désormais la Terre. Mais oui, c'est évident. Comme ça, votre espèce, enfin, notre espèce, pourrait prospérer dans une autre galaxie sans être confrontée à votre ennemi. Grâce à notre connaissance, nous avons pu développer une arme qui a pu anéantir notre ennemi. Nous avons donc gagné la guerre. Et si je peux me permettre, qui pilotait les vaisseaux tout à l'heure? Vous ne pouviez pas savoir, mais vous étiez sur le territoire des Déclats, une espèce avec laquelle nous avons fait une délimitation des territoires. Regardez, c'est la Terre! Nous sommes arrivés. Nous allons à présent vous téléporter chez vous. Et attendez, est-ce qu'il y a moyen de pouvoir contacter? Venez, prenez ceci. Une sorte de radio à laser qui vous permettra de nous contacter.